Alors, moi, bon, je suis l'aînée d'une famille de 11 enfants. Je peux dire que dans la famille, je pense que maman était croyante. Papa n'a jamais trop su, parce qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de conversations avec lui. Hein. C'était pas facile. Déjà, au départ, il disait, autour de ma table, on ne parle pas de religion et on ne parle pas de politique. Comme ça, on était fixés et tout. Bon, après, j'ai fait comme beaucoup, j'ai reçu une éducation chrétienne. Voilà, j'ai fait ma communion, mon baptême avant, ma communion. Et puis après, je n'allais pas du tout à l'église. Enfin, si je peux dire, parce que étant l'aînée de 11, il y a eu quand même 10 baptêmes, 10 communions. Donc à chaque fois, c'était quand même des réunions d'église. Mais bon, ça s'arrêtait là, on n'était pas plus croyants que ça. Bien que moi, je pense que je parlais à Dieu déjà depuis longtemps, depuis toute jeune. Je me souviens souvent, je parlais à Dieu, je demandais des choses. Je pense qu'il m'entendait, ne serait-ce que je donne un exemple. Par exemple, quand j'ai passé mon permis, je me suis vraiment mis devant Dieu parce que j'avais tellement peur. Enfin, toutes ces choses-là, quoi. Et puis, j'étais en même temps quelqu'un de très solitaire, je me sentais vraiment seule. Et pas très bien dans ma peau. Hein. Je cherchais par beaucoup de moyens à être bien, à faire le bien même. Mais j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Albert, je vois que c'est toi qui vas prendre le relais Ah maintenant. oui, C'est parce toi que si je raconte qui tout. va nous raconter aussi la suite, parce que en fait, c'est assez intéressant de voir comment aussi Un peu Dieu vous complémentaire. a façonné individuellement, mais aussi en tant que couple. Voilà. Et bah, on te laisse la place. C'est à toi de nous raconter un peu ton Ouais, cheminement, ton c'est parcours, et puis ce que tu veux nous dire aussi sur ce que Dieu a accompli. Et comme on dit, tu vois, si tu veux savoir si une chat a changé, c'est pas à lui qu'il faut poser la question, c'est à la souris. C'est un peu la souris, et je confirme vraiment que le Seigneur a changé la mienne, quoi. Mais j'ai pas du tout le même parcours qu'elle, moi, parce que je suis né au Vietnam, hein, de père français et de mère vietnamienne, et j'ai vécu 8 ans là-bas, jusqu'à l'indépendance, où les Viet Cong sont arrivés et ils nous ont foutu à la porte du Vietnam, quoi. Et ben, j'ai vécu comme ça. Mon père était catho, baptisé, confirmé, tout ça, mais pas pratiquant du tout. Il ne nous a jamais parlé de Dieu. Ma mère, elle pratiquait la religion bouddhiste, le culte des ancêtres, etc. Et là-bas, les Vietnamiens, les bouddhistes, tout ça, croient beaucoup aux revenants. Alors, on m'a toujours rabâché que les morts reviennent à la maison, ils hantent les maisons. Moi, les esprits, tout ça, j'en ai une trouille, hein, quand j'ai vécu dans ce milieu. Et puis, on avait peur d'eux, de ces esprits. Alors, moi, j'ai vécu toujours dans la crainte des fantômes, des démons, etc. Et j'ai même vu, quand j'avais tout jeune, j'avais la fièvre, tout ça, j'ai vu de mes yeux, quoi, j'ai vu des fantômes.